Qu'est-ce que tu as? T'en fais une tête? J'ai une faim de loup. Quelle boîte! On attend toujours des heures avant de sonner le dîner. Tu sais bien qu'à vous découper. Oui, mais mon appétit ne l'est pas. Et tu vois, c'est de là où que l'avalanche est détachée. Je pense que nous y étions avant-hier. C'était beau? Oh, il y avait des nuages, nous n'avons rien vu. Risquer la mort pour ne rien voir, c'est bien la peine. Madame, c'est un risque qu'un jour ou l'autre, nous sommes tous appelés à courir. En attendant, je préfère rester à faire du tricot. Monsieur, demain, j'organise une équipe de volontaires pour participer au dépeignage de la route. Rassemblement 5 heures. Repas froid dans la musette, un quart de gueule et pas de tireur au flanc. En attendant le dîner, monsieur le notaire, vous pourriez peut-être commencer à nous raconter l'histoire que vous nous aviez promise hier. Pourvu qu'elle ne soit pas trop effrayante. Le notaire a un contrat avec le patron, il est chargé de nous couper l'appétit. Ben, ce soir, je vous raconterai l'histoire de Michel Higelin et des dames blanches de Mont-Hervald. Bonsoir, monsieur Perrier. Vous vous impatientez? J'ai faim, je vous assure, belle dame, je crève de faim. Vous ne voyez pas? Mais quoi donc? Que je vous dévore des yeux. Oh, monsieur Perrier, vous mériteriez que je vous marque un supplément. Voilà le mari. Un peu plus. Voilà le patron. Quand est-ce qu'on mange? On ne va pas bientôt se mettre à table? Tous les jours la même chose. Je meurs de faim. Ça crame, Denis, et l'exactitude militaire. Vous vous en foutez, vous vous en tamponnez le coquillard. Oh, colonel. Non, mesdames, messieurs, pour me faire pardonner, je vous promets une surprise. Qu'est-ce que c'est? Des coups de fusil, vous ne l'avez jamais entendu? Pas si près. Encore ces contrebandiers. Comme dans Carmen, c'est délicieux. C'est le pays béni ici pour ces gaillards-là. À cheval sur la frontière. Les gens sont moitié italiens, moitié français. Ah, il faut avouer que l'homme qui paye la douane ici est un naïf. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, rien du tout. Oui, mais ça ne nous empêchera pas de dîner, j'espère. Oui, deux minutes de patience, c'est ça. Cher. Alors, la fin de cette histoire, notaire. Oui, mais voyons, où en étais-je? Au moment où le vieil homme dit à Michel, le chemin, ton cheval le connaît mieux. Ah, c'est ça. Eh bien, à ce moment-là, on entend des pas au dehors et quelqu'un qui frappe à la porte. Oh, j'aime pas ça. L'hôtel de l'abbaye, c'est ici? Oui. Dans une chambre? Je suis seul. J'espère. Fermez la porte. Qu'est-ce que vous avez tous à regarder ma main? Vous n'avez jamais vu un manchot? Par quel chemin êtes-vous passé? Ça vous regarde? Si je vous demande ça, c'est parce que la route est coupée. Vous êtes sûr? Oui. Hein? Vous n'avez pas de bagages? Non, plus rien que ça. C'est tout? Oui. Où sont les ruines? Ici même, l'hôtel est construit sur les fondations de l'abbaye. Et le cimetière? Il n'y a pas de cimetière. Il n'y a pas de cimetière. On a fait des fouilles? Monsieur est amateur de tombes. Archéologue? Non. Pardon, monsieur, n'auriez-vous pas à l'instant entendu deux coups de feu? Non. C'est curieux parce que... Est-ce que j'ai une tête à tirer des coups de feu la nuit? Ah non, monsieur. Ou en recevoir? Si monsieur veut bien remplir sa fiche. Une plume. Touchez pas à ça! Puisque vous épluchez ma fiche tout à l'heure, autant que vous soyez renseigné tout de suite. Roland Brissot. 35 ans. Vous n'aimiez plus? Oh non, monsieur. Artiste peintre. Voilà, durée du séjour. Voilà une drôle de question. Vous savez ce que vous ferez demain, vous, moi pas? Vous me mettez jusqu'à demain. Allez, montrez-moi ma chambre. Par ici, monsieur. Drôle de bonhomme. Être un fou. Je ne voudrais pas le rencontrer toute seule la nuit. Bonjour. Je l'ai aperçu par ici, un petit bonhomme bizarre, tout en noir. On l'a poursuivi sur le chemin et il portait une longue caisse. On aurait dit un cercueil. Ouais, on lui a tiré dessus. Il a laissé tomber sa caisse, il a filé par ici. Il est pas chez vous? Il nous est arrivé un voyageur, mais qui ne correspond pas du tout au signalement que vous me donnez. Vous avez dit un petit bonhomme en noir? On l'a pas bien vu, il courait comme s'il avait le faux derrière. Vous l'auriez pas rencontré? Allons, Nick, couche-toi. Ah ben, vous boirez bien quelque chose, monsieur. Ah non, 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 pas pour le moment, non. Service. À défaut de l'homme, je vais essayer de retrouver la caisse. Excusez le dérangement, hein. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous me suivez pour que je vous montre sa chambre? On va servir le dîner. Pas le temps de dîner, j'ai plus besoin de chambre, il faut que je m'en aille. Où sont les ruines? Vous ne pensez pas, monsieur, la nuit est tombée, il faut connaître. Demain, il fera jour. Pour vous, peut-être. Ça, tant pis, j'attendrai. Ici, vous voyez. Mesdames, messieurs, si vous voulez passer à table,
Moi, je n'ai plus faim. Ah, voilà un étrange voyageur. C'est pas du chien qu'il a eu peur, moi, je peux vous le dire. Avez-vous remarqué comme il a changé de contenance quand je lui ai parlé de coup de feu? Eh bien, mesdames, si j'ai un conseil à vous donner, fermez vos portes à clé cette nuit. Oh, encore des pruneaux? Alors, il ne descend pas, ce monsieur? Mais si, madame. Mais même s'il a des ennuis, il faut qu'il mange. Primum vivere. Ça doit pas être commode pour peindre avec sa main. Mais tu es soit Adélaïde, on ne tient pas son pinceau à deux mains. Clémence prend des pruneaux. Tu sais pourquoi? Oui, maman. Charmantes vacances, une avalanche. Un fou. Et pour terminer, des pruneaux. La soirée est complètement ratée. Il a la chambre à côté de l'anneau. Vous allez pouvoir dormir, vous? D'un œil, madame. Moi, je coucherai tout habillé. Chut! Le voilà. La main qui lui manque, l'a-t-il perdu à la guerre? Je me demande ce qu'il peut y avoir dans ce paquet. Il a peut-être un souvenir de sa femme, un gant, un mouchoir, une photographie. Il a une tête à prendre des stupéfiants. Il y aurait là-dedans un bon kilo d'héroïne que je n'en serais pas autrement surpris. Monsieur Brisson, on vous demande au téléphone. Moi? Oui, on a demandé Monsieur Brisson. Mais personne ne sait que... Vous savez pas qui c'est? On a simplement demandé votre nom à Monsieur Trépoli. Trépoli? Allô? Allô? Qui est à Paris? Qui demandez-vous? Allô? Allô? Allons, bon, qu'est-ce qui se passe encore? Attention de me renverser les verres! Ne bouge pas, Mimi! Non. La lumière! Clémence, prévenu! Débrouille-moi tout de suite! Débouchez, madame de nuit! Au secours, je me trompe avec les pruneaux! La lumière! Ben c'est pas trop tôt, Mimi chérie. Ah, si je tenais celui qui s'est permis un geste pareil vis-à-vis de ma femme. Elle est embassée. J'ai reçu un grand coup de pied derrière. Comment t'expliquez-vous, ça? Moi, j'ai une tordue, c'est pas des choses à faire. J'ai senti une bête qui courait sur mon bras. J'ai cru que c'était une souris. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je n'en sais rien, mais je n'aime pas beaucoup ça. Un plomb qui a sauté, sans doute. Allô, allô. Je ne comprends rien, les fusibles sont intacts. Ça doit venir de l'usine. Et le téléphone? Oh. Ah, ce que je disais, ça venait de l'usine. Alors, ils vous rappelleront. Ça venait de l'usine. Oui, il y a une chose qui ne venait pas de l'usine, c'est le coup de pied que j'ai reçu dans les fesses. On m'a volé. On m'a volé, qui? Quand on m'a appelé au téléphone, j'avais laissé là. Qui a fait ça? Qui? Nous n'avons rien vu. Nous étions dans le noir. Monsieur Denis, il se passe ici des choses graves. Ah, si je tenais le gaillard qui s'est permis après ce coup de feu. Mais enfin, qu'est-ce qu'on lui a pris? Sa boîte. Elle a disparu. Bien. Après tout ce qui s'est passé ce soir, j'estime indispensable d'aviser les gens là. Oui, monsieur s'expliquera avec eux. Car enfin, quand la panne est survenue, il était dans la cabine téléphonique. Où se trouvent les fusibles? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Ils étaient intacts. La porte d'entrée a été ouverte et fermée. Tout s'éclaircirait si monsieur consentait à nous dire ce que comptait le paquet disparu. C'est une histoire tellement invraisemblable. Et avec les comptes du notaire, cher monsieur, nous avons l'habitude. Non, je peux pas. Je vais alerter les gendarmes. Non, attendez. Les gendarmes n'y pourront rien. Personne ne peut plus rien pour moi. Pas même un gendarme. Pas même un colonel? Je le crains. Et puis tant pis. Écoutez, messieurs. Vous me croyez si vous voulez. Jugez vous-même. Au rapport. Non, non, pas des faits, des dates. Une date. Ça a commencé il y a un peu plus d'un an. C'est pas vieux. Et pourtant, quand j'en parle, il me semble que je me reporte 20 ans en arrière.